Maman, je ne fais rien d'extraordinaire. Je fais juste ce que papa et toi faisiez quand vous étiez jeunes. Ne dis pas ça, fiston. Ton père et moi étions responsables. Nous l'avons commencé dès la jeunesse. Nous avions un objectif. Tu es tout ce qu'on a. Mais je suis déterminée, maman. Je suis déterminée. Tu oublies la partie où, quand vous étiez jeune, papa et toi, à l'époque, être riche était votre priorité. Et en fait, papa et toi, vous étiez amoureux. Et vous êtes mariés après. J'essaye de trouver ma voie. Je n'arrête pas de chercher. Tu cherches? Tu veux dire en faisant la fête et en flirtant avec les femmes? Maman, tout ça n'a rien à voir avec le fait de me marier. Arrête! Ça a tout à voir avec le fait de ne pas être responsable, fiston. Oh, mon fiston, Dieu. Fiston, écoute. Tu as un bon boulot. Tu as tout qui marche bien dans ta vie. S'il te plaît, je t'en prie. Ne fous pas en l'air ta bonne éducation. S'il te plaît, il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Je t'en supplie. S'il te plaît, change ton cercle d'amis. S'il te plaît. Tu sais quoi, maman? Je n'ai pas envie de discuter de ça avec toi, tu comprends? J'en ai marre. Je suis en retard au boulot. On se reverra à mon retour. Je t'aime, ok? N'oublie pas de rentrer tôt pour le dîner. Ne me fais pas attendre. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Merde! Le sang du poisson-chat! Depuis que je suis devenu gardien dans cette vie, les riches se disputent aussi. Ils se disputent comme s'ils écrivaient une dissertation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que chaque fois que madame est là, c'est comme ça, ils se disputent? Dispute sur dispute, mon fils, marie-toi. Et au gars va dire, oh non, madame, pas encore. C'est pareil tout le temps. Tu as de l'argent, c'est un problème. Tu n'en as pas, c'est pareil. Pourquoi? Même au gars lui-même n'arrive pas à se respecter. Lui-même, de lui-même et par lui-même. Et rentre tôt. C'est comme ça qu'il marche toute la nuit et ne rentre que... Tu es un travailleur de nuit? Pourquoi? Je ne veux pas parler plus que ma bouche pour qu'au gars vienne me gifler. Excusez-moi. Entrez. Il est temps, mec. Hey, frangin. Ne t'en fais pas, je ne le raterai pour rien au monde. Alors, nous devons y aller. Ok, donne-moi juste 5 minutes, le temps pour moi de compléter cette offre. Et l'envoyer à MDB Company avant que la RH ne vienne encore et encore dans mon bureau comme une censure. Ah, je vois. Et vous le résolvez dans un lit, comme d'habitude. Frangin, elle a quelque chose de magnifique qui se passe entre ses jambes. Tu sais quoi, mec? Personne n'aurait jamais cru que la toute puissante RH pouvait craquer sur toi. Avec son air si mesquin. Frangin, cette femme m'a fichu la trouille. Et c'est un sucre d'orge, mec. Elle est juste l'une des meilleures. Et tu sais quoi? Ça me surprend parce qu'elle se fait du souci pour moi. Bien. Ce ne sera pas une mauvaise idée de vous faire voir en public. Tu dis quoi? Voyons, ne dis pas ça. Jamais. Je ne suis pas prêt à lâcher mon titre de playboy pour qui que ce soit. Sais-tu le nombre de belles femmes qu'il y a dehors? Le nombre de nanas qu'il y a dehors? Qui attendent juste mon attention? Qui veut être avec moi? Qui veut être avec Brian? Frangin, c'est là que tu as tout faux. Les plus belles choses ne sont pas encore nées. Mais nous devons faire un choix. Nous devons partir. Le temps passe si vite. Je dois rentrer tôt chez moi pour prendre soin des gosses et de ma femme. Et ma femme fait des heures sup. Tu vois de quoi je parle, tu vois de quoi je parlais. Tu n'as plus de vie, tu ne peux même plus sortir avec tes potes. Tu comprends, tu fais le job qu'une femme devrait faire. Tu t'entends même parler? Quoi? Je le fais parce que je le dois à ma famille. Mes enfants sont toujours contents lorsque je passe du temps avec eux. Alléluia. Ma femme, quant à elle me donne la meilleure des attentions lorsque je suis à la maison. Amen. Mec, il te faut construire ton foyer pour entrevoir ce que je suis en train de dire. Je te remercie, mais non merci, je suis tranquille, comme je suis. Tu sais quoi, frangin? Trouve-toi une vie. Bon, je t'attends dans la voiture. Ah, rappelle-toi, j'aime ma vie telle qu'elle est. Oui, mais j'aime ma vie comme elle est. Bye bye, allez, ferme ma porte.
Qu'est-ce qu'il raconte? Que je me marie? Tu déconnes. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Tes plats sont juste les meilleurs, maman. Personne ne te dépasse, je te le dis. C'est excellent. Ne dis pas ça. Je suis certaine que ma belle-fille sera un cordon bleu. Fiston, désolé. Je vais bien. Ok. En parlant de belle-fille, la fille de mon ami pourrait être bien pour toi. Pourrait juste, tu sais. Peu importe. À mon lieu de travail, j'ai rencontré des femmes décentes, tu sais. Écoute, n'oublie pas que ta mère possède l'une des plus grandes et fameuses agences de publicité dans ce pays. Je n'ai pas oublié, maman. Je n'ai pas non plus oublié que t'es l'une des femmes les plus grandes et populaires dans ce pays. Mais ton fils bien-aimé a le droit de choisir une femme de lui-même. Tout ce que je te demande, maman, c'est juste un peu de temps. Deux mois. Mais maman, voyons. Non, 6 mois. Oui, 6 mois. Pas question. Ok. 3 mois. Allez, 3 mois, c'est bon. C'est assez. Bien sûr, maman. 3 mois et après, je t'emmènerai la meilleure belle-fille que n'importe quelle mère n'aurait pu demander. Okay. Voilà! 3 mois. Juste 3 mois. D'accord. C'est d'accord, fiston. Rentre te reposer, d'accord? Ok, maman. Conduis prudemment. Okay. Dès que tu arrives, tu m'appelles. C'est d'accord. Fais attention à toi, ok, maman? Je t'aime. Viens je là. Je t'aime aussi, mon chéri. Ok. Bye. Bye bye. Bye, mon chéri. Ouf. Oh. Je ne comprends absolument pas cette fille. Elle veut passer le reste de la semaine chez moi. Mais n'en reviens pas. Voyons, où est le mal à ça? Absolument tout. Qu'y a-t-il de mal si elle veut passer le reste de la semaine chez son mec? Point de correction. Ma maison n'est pas la sienne. Ce n'est pas juste ma maison, c'est mon temple. Et d'ailleurs, elle n'est même pas numéro 1 sur la liste, elle est juste le numéro 8 sur la liste. Et elle veut quoi? Vraiment? Tous ses privilèges. C'est pas possible. Alors dis-moi, qui est numéro 1 sur la liste? Je n'ai pas de numéro 1 pour l'instant, tu comprends? Elle était d'abord le numéro 1 quand on y pense bien. Elle a commencé à descendre de la liste. Je ne sais pas, elle s'est retrouvée à la 8e place. Je me rappelle que tu as dit la même chose pour Roselyne. Megan, Hélène et Jasmine, je continue de compter? Mec, je suis un célibataire qui a simplement besoin de compagnie, c'est tout. Mec, va te marier. Et là, tu pourras avoir une compagne permanente. Voilà. Et dans les compagnies. C'est ça le truc, en fait. Je ne veux pas d'une compagne permanente. Je veux juste de la compagnie et tout ça, les femmes. Tu sais de quoi je parle. Quelqu'un avec qui passer la nuit pendant un mois, tu vois. Tu dois te faire examiner, mec. Et pourquoi? Où est le serveur? Que je me fasse examiner. Serveur ?
En passant, comment va ton fils Brian? Est-il déjà marié? Non. C'est le problème que j'ai avec lui actuellement. Vraiment? De toutes les femmes de Lagos, qu'attend-il? Je ne sais pas. Il ne cesse de me dire qu'il prend son temps. C'est très bien. Mais pas tout le temps du monde. Je lui ai parlé. Et je n'aime pas aussi le fait qu'il fasse beaucoup la fête. Il a besoin d'une responsabilité. Oui. Tu sais, tu dois arrêter de le dandoter et être une mère ferme. J'essaye. Ou bien, est-il gay? Mais non. J'ai juste posé une question. Brian adore les femmes et il les entasse comme des trophées. De toutes les formes et de toutes les tailles. Et il a peur d'avoir à laisser tout ça. Tu dois le rappeler à l'ordre, mon ami. Je veux dire, l'amener à se marier, lui donner des responsabilités. Je vais essayer. Continue d'essayer. C'est mieux. Quoi? Quoi, bébé? Je me sens bien chaque fois que je suis avec toi. Vraiment? Ouais. C'est super. Bébé, pourquoi n'irais-je pas au marché demain matin afin de te faire un truc à manger? Ouais, je veux dire, tu veux acheter de quoi? De quoi préparer dans la cuisine? Ouais, bien sûr. Mais voyons, bébé. Ouais, ça m'a l'air pas mal, mais... Bébé, je ne veux pas que tu stresses. Tu comprends, tu es trop jolie, tu dois m'en donner plus. Oli, tu sais ça. Mais je ne veux pas. Bébé, ne t'en fais pas pour ça. Notre chambre est le lieu où être. C'est là qu'on fait l'amour. C'est là que les choses se passent. C'est là que je vois entièrement qui tu es. Tu vois, je ne veux pas que tu te fasses mal, que tu brûles tes doigts, tu sais. Tes doigts sont si délicats, tu n'as pas besoin de préparer pour moi. On peut acheter à manger, on peut manger dehors, et on pourrait même trouver une bonne pour ça, ok? Es-tu sûr de tout ça? Je suis positif. Et là maintenant, en te voyant, je suis prêt pour la chambre, tu vois. J'aimerais qu'on aille à l'étage et une fois là-bas, on se dirige dans la chambre et tu sais, c'est là-bas que tu sais comment me servir, hein. Bébé. Peut-on faire un autre coup? Un autre coup, tu dis? Je suis épuisé, bébé. Je suis vraiment épuisé. Remettons ça au matin, s'il te plaît. Je suis vraiment fatigué. Et j'ai aussi très faim, mais je suis vraiment fatigué pour descendre me prendre un truc à manger. Je pourrais cuisiner pour que tu manges. Non, c'est bon. On va manger le matin, ok? Viens là. D'accord. On va trouver un truc à manger et je te donnerai un bon coup, ok? Un très bon coup. D'accord. Bonjour, ma jolie maman. Bonjour, ma superwoman. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ces 3 derniers jours? Maman, tu sais, le travail a vraiment augmenté et du coup, j'ai été très occupée ces temps-ci. Tu es sûre que c'est le travail? Ou ce sont ces filles idiotes qui n'arrivent pas à garder un homme? Maman, mais voyons, maman. De toute façon, ce n'est pas pourquoi j'ai appelé. Ok. Ça fait plus de 3 mois qu'on a eu un accord. Maman, justement à propos de ça. Oui, à ce sujet. Maman, écoute, je vais juste prendre mon temps. Tu sais, en parlant de mariage, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. Il me faut la bonne personne, je veux trouver la femme idéale. Je ne veux pas faire d'erreur, maman. Alors, laisse-moi juste prendre mon temps pour trouver la personne idéale pour moi. Oui, je sais tout. Ne me donne pas de leçons. Je t'ai donné assez de temps. Donc, il est temps que je sois une mère au lieu d'une amie. Mais voyons, maman, ne fais pas ça.
Ne fais pas ça, maman. Pas de maman qui tienne. Au moins, quelqu'un a gardé son sens du goût et un peu de savoir-vivre en lui. Bonsoir à toi, maman. Bonsoir, fiston. J'espère que tu as passé une bonne journée. Oui, mais pas autant que ce que je suis sur le point de profiter avec ma mère. Tes plats m'ont manqué. Je suis là maintenant. Tu vas bien manger. Merci, maman. Ouais. De rien, mon chéri. Va sur la table à manger. J'y ai déposé quelque chose pour toi. Wow. J'espère que c'est quelque chose de vraiment bon. Pourquoi n'irais-tu pas voir? D'accord. Ok. De rien. Chérie, J'espère que tu as aimé le repas. Oui, maman. C'était excellent. J'ai adoré. Ok. Nous avons eu un accord il y a de cela 3 mois. Et tu n'as rien dit à ce sujet. Maman, pas maintenant, s'il te plaît. Je t'en supplie. Viens, je veux te montrer quelque chose. Maman, arrête. S'il te plaît. Je sais que tu faisais ça. Viens juste jeter un coup d'œil. Maman, je peux le faire moi-même. S'il te plaît, je n'ai pas besoin de ça. Non, maman. Jette juste un coup d'œil. Waouh. Elle est magnifique. Oh, vraiment? Oui, je veux dire, je... Je te l'avais dit. J'aime son apparence, elle est jolie. Viens voir mon ami, s'il te plaît. Brian. Le fait qu'elle ait un enfant ne la rend pas moins femme. Je veux dire, elle est beaucoup mieux que toutes ces filles avec qui tu t'amuses. Je ne comprends vraiment plus rien. Je veux dire, de toutes les femmes de cette ville, toutes les belles femmes et les femmes célibataires, dans cette ville, tu essayes de me convaincre d'épouser une femme qui a déjà un gosse. Je n'ai aucune idée de comment elle a eu cet enfant pour commencer. C'est une jeune femme décente. Mais elle a quand même un enfant hors mariage. Écoute, le fait qu'elle ait un enfant hors mariage ne veut pas dire qu'elle est indécente. C'est mal la juger. Maman, écoute, le fait là est que elle a déjà un fils. Je suis un jeune célibataire qui cherche une femme célibataire, une très jolie femme que je vais épouser. Laisse-moi d'abord parcourir toutes celles qui n'ont pas encore fait d'enfants. Tu comprends? Elle peut se trouver un homme divorcé ou quelqu'un qui est un père célibataire comme elle. Les deux peuvent gérer leur vie, s'il te plaît. Le mariage n'est pas le fait d'être jeune, célibataire ou pas, mais c'est la maturité.
Quelqu'un qui est prêt à construire une famille? Fiston, s'il te plaît, ne la juge pas par son passé. Je ne l'ai pas jugée, maman, tu ne comprends pas. Je ne l'ai pas jugée. Mon problème est juste que elle n'est pas la personne idéale pour moi. Maman, je veux une femme qui me donnera absolument toute son attention. Et surtout pas quelqu'un qui divisera cette attention entre son fils et moi. Non, je veux profiter de ma femme. Vraiment profiter d'elle avant qu'on ne commence à faire des enfants. Tu vois, passer du temps et profiter de ma femme. Tu as besoin d'une partenaire, pas juste d'une femme. D'une mère, pas d'une femme. Rappelle-toi, une femme est construite et pas créée. Maman, t'es une philosophe? Tu peux l'appeler comme tu veux, mais souviens-toi, ma licence était en philosophie. Oui. Merci de me rappeler de ne jamais entrer dans un débat avec toi parce que je suis fatiguée, maman. Je ne peux pas te vaincre. Mon chéri, écoute. Donne juste une chance à cette fille. Tu pourrais l'aimer. Simplement parce que tu as vu sa photo, tu es tombé amoureux d'elle. Cela ne te dit pas quelque chose? Je veux dire, elle ne cache pas le fait d'avoir un fils à ses prétendants. C'est une bonne fille. Elle est prête à se caser. S'il te plaît. Merci, maman. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu viens de me dire. À présent, je dois aller voir Scott. Je m'en vais. Je t'aime. Je te reverrai bientôt, ok? On se reverra, ok? D'accord? Pense à elle, s'il te plaît. Maman. Oui, oui, c'est d'accord. À tout à l'heure, maman. Tu sais, c'est une bombe, cette fille. Je comprends mieux pourquoi tu n'as que Dieu pour elle. Ce n'est pas ça qui m'inquiète actuellement. Ce qui m'inquiète là, c'est son statut. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une mère célibataire. Elle a un enfant, un fils, pour bien préciser. Il doit avoir dans les 7 ans déjà. Je veux dire, que vais-je faire avec elle? Je vois. Tu sais, c'est génial parce que tu seras papa avant 20 ans. C'est quelque chose de magique, je t'assure. Ne sois pas ridicule, mon frère. Pas du tout. Tu sais, entre ma femme et moi, il nous a fallu 5 ans pour avoir notre premier enfant. Et nous avons opté pour l'adoption après être passés par plusieurs hôpitaux. Donc estime-toi chanceux. Bla 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 bla. Je connais l'histoire. Donc tu vois, Dieu veut te rendre papa avant que tu ne l'aies demandé. C'est ça le truc. Je n'ai pas demandé à être père. Je ne veux pas être père. Je ne le veux pas. Tu sais quoi? Dieu connaît ce qui est meilleur pour nous. Dieu te donne une responsabilité et je te prie de l'accepter de tout ton cœur. C'est avec ce genre de responsabilité que tu dois t'occuper au lieu d'aller au club après le boulot. C'est terminé. Satisfait? Non, mon frère, tu as besoin de cette femme. J'ai besoin d'elle. Fais-moi confiance. Si ta mère te dit qu'elle est bonne pour toi, alors crois-moi, elle est bonne pour toi. Tu l'as toi-même confirmé. Tu viens de me dire qu'il y a une connexion entre vous lorsque vous parlez au téléphone. Elle t'a parlé du fils avec lequel elle vit. Alors tu vois, elle a été assez honnête pour t'en parler. Il est impossible de s'ouvrir à quelqu'un dont on n'est pas sûr. Ça n'a absolument aucun sens. Si elle n'était pas sûre, elle ne se serait pas ouverte. Ça n'a absolument aucun sens. Nous parlons de l'avenir, de la famille et du bonheur. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une raison pour que je m'attache à elle, non. Ça a un sens, crois-moi. En fait, elle fait exactement ce que ferait une vraie femme. Faire passer son fils en premier. C'est ça le truc. Je veux que ma femme me fasse passer en premier. Et non partager son attention avec un certain garçon. Je veux être le premier dans la vie de ma femme. Voyons mec, cesse de chercher des fausses excuses, sinon tu vas perdre cette femme. Perdre quelle femme? Elle n'est pas encore ma femme. Comment vais-je la perdre? Mais bon, je suis content, mes enfants auront un nouveau partenaire de jeu. Bienvenue au club, mon frère. Dégage avec ça. Je suis sérieux, mec. Thank you.
Est-ce que ça va? Tu as de la fièvre? Non, maman, je vais bien. Désolé de t'avoir réveillée. Non, ça va. J'avais très soif et je suis descendue chercher de l'eau à boire. Ok, c'est d'accord. On se voit le matin alors. Maman? Ouais? Peut-on parler un moment? En fait, je veux juste de t'accompagner. Ok. Mais pourquoi me regardes-tu comme si tu attendais? Vas-y, je suis tout seul. D'accord. Maman, de toutes les femmes que Chelsea m'a montrées, pourquoi as-tu choisi Amelia? Et pourquoi est-ce que de toutes les filles dont je t'ai montré les photos, c'est Amelia que tu as choisie? Maman, après tout, tu es... Pourquoi joues-tu sur ma psychologie actuellement? Bien, je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi. J'ai juste apprécié ce que j'ai vu. Oui, je veux dire, elle est... J'aime beaucoup lui parler. Tu sais, quand on parle au téléphone, elle est intelligente. Ok. Elle est attentionnée. Oh. Et elle est magnifique et adorable. Exactement ce que j'ai aussi vu en elle. Pour clôturer, c'est une femme. Une mère, et s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, je saurai que mon fils, sa famille et la génération de mon mari seront entre de bonnes mains. Autre chose, je veux que tu prennes bien soin de Duque. C'est ton fils, ton premier fils. S'il te plaît, prends bien soin de lui comme je l'ai fait avec toi. S'il te plaît, hein? Bonne nuit, mon chéri. Merci, maman. Merci. Bonne nuit. On se voit le matin. Tu sais, j'ai trop hâte que tu sois la maîtresse de cette maison. Non, plutôt que tu ne l'imagines. Mon lit est glacé sans toi. Notre maison est vide et seule sans ta présence. Je veux dire, Duc et toi. Bien sûr que oui, notre maison. Je veux dire, tout ce qui m'appartient est à toi, chérie. Je veux juste que tu sois là. Je veux que ma famille soit rassemblée. Oh, allez. Et ce serait vraiment adorable de faire des trucs ensemble. Il y a tellement de trucs que nous pouvons construire ensemble. Actuellement, j'essaye de faire un truc à manger. Et pourtant, si tu étais là, je serais probablement dans la chambre, en train de regarder un film ou jouer à des jeux vidéo avec mon fils, tu sais. Je te veux auprès de moi. Bien sûr, je veux juste que tu sois là. Tu me manques. Hey! Allez, entrez. Merci. Waouh. Waouh. Allez. Asseyez-vous. Allez, juste là. Assieds-toi, mon grand. Que puis-je t'offrir comme boisson? Tu as besoin de quelque chose? De l'eau, du jus ou quelque chose? N'importe quoi, dis-moi. Je vais bien. Et toi, mon grand, tu veux quelque chose à boire? Non. Ok. Moi, c'est Brian. Ok. Bonjour, oncle Brian. Bonjour. Votre maison est très belle. Merci. J'aurais aimé que ma mère possède un endroit comme ça. Oh. Je prie pour elle chaque jour pour qu'elle aille toujours de l'avant. Tu sais quoi? Ta prière a été exaucée. Cette maison est désormais ta maison et celle de ta mère. Alors, tout ce qui est dans cette maison est à toi. Tu es sûr que tu ne veux rien à boire? Non, je veux juste jouer dans ce grand salon. Bravo. Tu peux jouer partout et n'importe où, ok? Ah, et la télécommande, elle est juste là, ok? Tu la prends, tu regardes des dessins et tout ce que tu voudras, ok? Laisse-moi juste amener ta mère visiter la maison, d'accord? Allez, viens, chérie. D'accord, sois sage, ok? Alors ici, c'est chez nous. Et maintenant, tu sais, oui, je vais te faire visiter.
Je peux t'appeler mon papa maintenant? Mais bien sûr! Tu peux m'appeler papa si tu as envie. Oui, je vais bien. Super, alors appelle-moi papa. Hein? Fiston. Quoi? Mais qu'est-ce que tu regardes? Je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit? Je n'ai rien dit. Je sympathise, c'est de la sympathie. Je sympathise avec mon fils. Tu sais que tu viendras avec moi à la maison, n'est-ce pas? Oui, pour faire ses affaires et revenir ici. D'accord. Que crois-tu qu'il ira faire d'autre? Bien. Et tu ne lui feras rien. On rentrera. Tout ce que tu as à faire, c'est de préparer tes affaires et de revenir dans cette maison. Il ne va rien te demander, c'est un grand garçon. Si tu veux quelque chose, demande-le-moi, je vais te le donner.
quoi. Tu es tellement belle, mon épouse. Et tu es si beau, mon mari. Tu es mon véritable cadeau du ciel. La première fois que j'ai posé mes yeux sur toi, j'ai su à cet instant que tu étais la plus parfaite des créatures de Dieu. Et la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi, je me suis dit à moi-même, en effet, le travail de Dieu est terminé. Tu es mon soleil. Et tu es ma lune. Hey, mon grand. Prêt pour l'école? Oui, papa. Tu as pris ton petit-déj? Non, papa. Ta mère doit sûrement être en train de préparer un truc. Bye-bye. Au revoir. Bon, monsieur. Où comptes-tu aller sans avoir pris ton petit-déjeuner? Vraiment? Oui, bien sûr. Pourquoi tu sembles surpris? Parce que je n'ai jamais pris de petit-déj depuis que j'ai quitté la maison de ma mère. Eh bien, ça va devoir changer parce que là, tu as une nouvelle mère et il est hors de question que tu esquives le petit-déjeuner. Mais je ne prends pas de petit-déj. Je ne prends pas de... Peut-on juste avoir un arrangement différent? S'il te plaît. Merci. Peux-tu parler à ta mère pour moi? Peux-tu parler à ton père pour moi? Écoute-moi, ne les laisse pas te faire ça, ok? Sois un homme fort, d'accord? Mec, tu n'as pas idée, mec. Si j'avais su ce que je ratais depuis tout ce temps, je me serais probablement marié avant toi. Oh, vraiment? Tu sais quoi? Ça, c'est juste votre première année de mariage. Je prie que vous continuez dans cette même lancée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sais-tu comment je m'amuse? Non, toi, dis-moi. tu n'as aucune idée. J'étais en route pour le boulot et... Ma femme avait déjà préparé le petit-déj et je l'ignorais, tu vois. Elle m'a littéralement forcé à manger. Sais-tu, la dernière fois que j'ai pris le petit-déj, c'était quand je vivais avec ma mère et je n'avais jamais pris de petit-déj. Chut, c'est normal, frangin. Seulement pour les gens mariés, pas pour les... Ok, si tu... Écoute, je suis descendu. Ce n'était pas juste le repas, la maison était propre et impeccable. Tout était juste au top et chaque chose était à sa place. Mon fils était assis, prêt à partir à l'école. Et le repas, il était tellement délicieux. Oh, c'était du genre de la bonne nourriture fait maison. C'est ça, c'est une femme qui maîtrise parfaitement le rôle d'une épouse. C'est une femme vertueuse. Elle est mon cadeau, venu tout droit du ciel juste pour moi. Et tu dois la garder jalousement et être son homme. N'ose jamais lui faire du mal. Elle est ma vie. Elle est le sang qui copule dans mes veines. Bien, c'est cool de te l'entendre dire. Le tombeur que je connais. Mais voyons, mon pote. Ah, je ne fais plus dans ça. Je ne suis plus un tombeur comme tu le penses, mon frère. À présent, je suis un mari. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé tout ce temps? Grand-mère, je mange absolument tout. Waouh, tout? Ouais. Mon père m'a acheté un smoothie. Et du shawarma, mais parfois, c'est de la pizza. Va-t-il les acheter aujourd'hui? Oui, je suis sûre qu'il le fera. Ok, tu vas les partager avec moi? Oui, grand-mère. Mon papa est rentré. Oh. C'est comme ça qu'il se comporte. À chaque fois, il me laisse ici. Es-tu sérieuse? Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Va à l'intérieur. Grand-mère, tu reviens la semaine prochaine? Non, mais j'enverrai le chauffeur te chercher ou tes parents viendront avec toi. Ok? Oui, c'est d'accord, grand-mère. Souviens-toi d'être un gentil gars, ok? Allez, je t'aime, mon chéri. Va à l'intérieur maintenant. Bye-bye. Bye-bye. On arrive, ok? Ok. Quant à vous deux, le mariage n'est pas un nid de roses.
Il n'y a pas de « j'ai raison » ou bien « je suis supérieure dans le mariage ». Que l'honnêteté et la communication soient la base de ce mariage. Si vous faites tout ça, vous allez voir que tout va marcher. Hmm? Je vous aime. Viens là, maman. Mon ange. Ok, viens avec moi, ma chérie. Maman, quand est-ce que mon papa va rentrer? Je suis sûre qu'il sera bientôt là, ok? Il est sûrement bloqué dans les embouteillages. Ok, tu sais quoi? Laisse-moi t'amener au lit. Tu le verras le matin. Hmm? Viens, porte tes sandales. Attention. Tu verras ton papa le matin, ok? Attention, fais attention. Bébé, que s'est-il passé? Que veux-tu dire par là? Et depuis quand est-ce que tu me questionnes dans ma propre maison? Sais-tu quelle heure il est? Nous étions inquiets. Et c'est ce que tu trouves à me dire? Écoute, je ne suis plus un enfant. Je peux prendre soin de moi. Et puis je suis épuisé, très épuisé. Et la dernière chose dont j'ai besoin, ce sont tes questions d'investigation. J'ai besoin de dormir. Es-tu sérieux là? Non, Brian, es-tu sérieux là? Ton fils et moi étions inquiets. On n'a même pas pu dormir. Nous étions en panique. On n'a même pas pu dîner parce qu'on t'attendait. Et c'est ce que tu me dis? Allez, je n'ai plus 12 ans. Je suis un homme et un adulte. Je fais ce que je veux. Et je ne vous ai jamais demandé de m'attendre. Je ne me souviens pas vous avoir dit de m'attendre avant de manger ou de dormir. Je dois aller me reposer, ok? Je suis fatigué, excuse-moi. Brian? Oui, bébé.
Mais voyons, tu sais que tu me manques. Oui, bien sûr, tu me manques. Oui, on se verra bientôt, ok? Tout à fait. Prends soin de toi, ma belle. Ok, je retourne au travail. On se reparle plus tard. Bye bye. Mon frère, en fait, je n'arrive pas... Tu sais, je ne peux pas... Je ne comprends vraiment pas comment les gens font pour rester fidèles. Fidèle à une femme ou être fidèle dans le mariage, je n'arrive vraiment pas à comprendre, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, comment fais-tu pour coucher avec une seule femme tout le restant de ta vie? Je n'arrive pas à comprendre. Les hommes mariés responsables, ce que tu n'es pas. J'aurais aimé. Je te demande pardon. Attends. L'as-tu vraiment trompé? Comment as-tu pu faire ça? C'est quelle malédiction que tu as dit dans ton mariage? Écoute, mec. Scotty. J'aurais vraiment aimé. Mais je ne sais pas comment. Comment le faire? Je ne peux pas m'empêcher de mener cette belle vie. Tu sais, être avec des belles femmes au moins chaque semaine ou deux. Du nouveau, tu vois, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas quoi faire, aide-moi. Belle, mais mortelle. Attends, ne me dis pas que ce n'était pas ta femme au téléphone. Écoute, Scotty, j'aime ma femme. Mais je ne sais pas comment oublier toutes ces belles femmes qui sont autour de moi. Je ne me vois pas juste en train de coucher seulement avec ma femme. Ma femme, tu sais, c'est très difficile. Tu dois le faire. Nous pouvons tous tromper nos épouses, mais nous devons faire ce qui est bien. Maintenant, dis-moi, comment te sentirais-tu si ta femme te trompe avec un autre homme? Quoi? Exactement ce que je croyais. Tu dois te détacher de tout ça. Donne-moi une minute. Allô, bébé? Ouais, vers 18h30. Ouais, c'est d'accord. Au Wash Lounge. Ouais, c'est bien. Ok, à tout à l'heure. Bye. Vraiment? C'est juste une balade. Déjeuner, tu sais, juste pour s'amuser. Tu peux venir? On va s'éclater. Non. Merci. J'ai une magnifique épouse et des gosses qui m'attendent à la maison. Frangin. Tu ne peux pas brûler ta propre maison avec tes mains. Tu sais, tu dois prendre bien soin de ta femme. Parfois, les femmes savent tout ça, mais elles préfèrent ne pas en parler. Mais quand elles le font, ça ressemble à une bombe prête à exploser au moment venu. Ouais, j'ai compris. Tu dois vraiment arrêter ce désir incessant pour la perdition. Bien sûr, je vais arrêter. Je vais arrêter. Je veux dire, tu sais que j'aime ma femme et j'aime ma famille, je vais arrêter. Alors, est-ce que nous pouvons aller déjeuner? Tu me déçois vraiment, mec. Tu me déçois. Scotty, t'es mon pote, hein? Tu es comme un frère pour moi, tu sais. Mon ami, mon conseiller qui m'aide à gravir les échelons. Hein, tu sais, n'est-ce pas? Jeff? Oui, je... Essaye de découvrir qui dirige Jockey Company en ville, ok? Je dois savoir qui gère leur compte et... Essaye de dire à leur directeur de marketing que j'ai besoin de leur évaluation. Oui, j'en ai besoin avant la fin de la journée. Ok, assure-toi juste de le faire pour moi, d'accord? Bye bye. Vilaine fille. Oh ouais. Oh ouais. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, viens là. Oh, wow. Tu sais, bébé.
Nous devons le faire le plus souvent. Vraiment, tu sais, fréquemment. Tu sais quoi? Je n'ai jamais eu une telle chose auparavant, c'était incroyable. Vraiment? Tu es incroyable. Tu sais ce qu'on dit. Dis-moi, bébé. Plus vieux est le vin, plus bon et savoureux. Goûter à ce vin très savoureux. Chaque jour, n'est-ce pas? Tous les jours. Quoi? C'est juste que... C'est juste quoi? Tu sais, je suis parfois jalouse d'elle parce que tu l'as choisie et pas moi. Voyons, ne sois pas jalouse, ok? C'est bon. Tant qu'il y a de nous. Ouais. Allez, bébé. Tu veux un autre coup? C'est bon. Bébé. Bébé. Quoi? Il est 23h30 et tu es encore en retard. Oui, c'est vrai. Et puis quoi? Ah, écoute, nous sommes mariés. Et pour que ce mariage fonctionne, nous devons communiquer tout le temps. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe et je ne comprends pas ce qui t'arrive tous ces derniers temps. Qu'est-ce que tu insinues aujourd'hui? Ce que j'essaie de dire, c'est que ta manière de me traiter n'est pas du tout normale. Tu me traites injustement. Non, ce qui n'est pas juste, c'est le fait de me questionner. Et ce qui n'est pas juste, c'est le fait que tu déranges ma paix. J'espère que tu n'es pas fausse et me trompes. Toi, dis-moi, Brian, comment est-ce qu'un homme marié rentrera à cette heure sans aucune explication, ni de dialogue, ni quoi que ce soit? Le travail. Le boulot? Oui, le travail. Tu me dis que c'est le boulot? Oui, le travail. Bébé, il faut qu'on parle. Ok. J'ai remarqué qu'on perd notre complicité et notre dialogue. Et je n'aime pas ça. Écoute, si jamais j'ai fait quelque chose ou que je suis en train de le faire, dis-le-moi et je vais corriger ma manière de le faire. J'ai besoin de toi. Notre famille a besoin de toi. Je me sens si seule et rejetée. Nous avons perdu notre amour. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait de mal. M'as-tu déjà entendu me plaindre que tu as fait quelque chose de mal ou que tu fais quelque chose de mal? Mais tes actions prouvent tout le contraire, bébé. On dirait que tu ne veux plus de ça, que tu ne veux plus de notre famille. Je n'ai pas dit ça. Je vais bien. Tout va bien. Et... Je vais bien. Tout va bien. Ok? Mais tu n'es pas... Tu n'as pas l'air dans toi. Oh, Seigneur. Où est-ce que tu vas? Je vais aller rester avec mon fils parce que ma femme m'énerve. Bébé. Non, c'est bon. Hey chérie. Ouais. Comment tu vas? Où est Duke? Il est en haut. Désolée. Il se repose. Ok.
Bébé, est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va. Pourquoi? J'ai remarqué que tu n'as pas mis de l'argent dans notre compte joint depuis 3 mois déjà. Et j'ai aussi remarqué que tu as fait un retrait d'une grosse somme d'argent sans m'en parler. Ouais, je veux dire, à ce sujet, j'étais sur le point de t'en dire plus par rapport à ça. Le truc, c'est que j'investis dans quelque chose de très urgent. Et ça demande un gros capital. Vraiment? Quel investissement? Quel genre d'investissement? Tu veux me dire qu'en tant que... En tant que chef de cette famille, je ne sais pas ce qui est bon pour ma famille, mais je ne sais dans quoi investir. Dis-moi, est-ce que je n'ai pas le droit d'utiliser mon argent comme je le veux, sans ton consentement? Bébé, voyons, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dis, c'est que je suis ta femme, ok? Nous devrions prendre cette décision ensemble, d'accord? Et d'ailleurs, il y a tellement d'escrocs là-dehors. On ne peut pas se permettre d'être des victimes. Et... deux têtes valent mieux qu'une bébé. Je suis l'homme de cette maison et j'ai la responsabilité de prendre tout ce genre de décision. Il ne s'agit pas du tout de ça. Je dis juste que c'est un mauvais timing, ok? La scolarité de ton fils doit être payée ce mois. C'est ça. C'est à cause de ça, n'est-ce pas? Ton fils, qui passe toujours en premier, même dans ma propre maison. Il est toujours question de lui, c'est ce qui te préoccupe. C'est pour ça que tu me poses cette question. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis, c'est qu'il est toujours question de ton fils. C'est toujours ton fils, ton fils, ton fils. Dans la moindre chose qu'on fait, c'est ton fils. Pour l'amour de Dieu, je te demande d'être plus judicieux. Tu me demandes d'être judicieux. C'est mon fils maintenant. Oui, c'est ton fils. Tu me demandes d'être judicieux. Juste parce que j'ai fait un stupide investissement. Quoi? Mais... Duke! Maman, je ne sais plus quoi faire d'autre. Mon chéri, viens. Va dans ma chambre en haut. Ouvre le frigo. Il y a un carton de chocolat à l'intérieur. Il est à toi. Allez. D'accord, mon chéri. Maman, je ne sais pas pourquoi mon mari a changé. Je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi il me fait toutes ces choses. J'ai essayé de lui parler. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour m'enfoncer, mais il est tellement radical. Maman, je suis désolée de te raconter tout ça. Je ne devrais pas le faire. Mais... Brian me trompe, maman. Quoi? Il a fait un retrait d'un gros montant dans notre compte. Je lui ai demandé pourquoi il voulait utiliser cet argent. Et il a dit que c'était pour un investissement. Mais maman, je sais que ce n'est pas pour un investissement. Parce qu'il a donné à une femme. Une femme? Une femme, maman. Je l'ai découvert, mais il ne sait pas que je le sais. Il n'a même pas déposé un sou dans notre compte pendant des mois maintenant. Je suis désolée de te le dire, je ne devrais pas. C'est bon. C'est bon, ma chérie. Tu ne devrais pas t'excuser pour ça. Ne t'excuse jamais d'avoir été juste. Hein? Je connais Brian très bien. Et je sais de quoi il est capable. Ne t'en fais pas. Je vais régler ça. Oui. Puisqu'il a décidé de foutre sa vie en l'air, je vais le jeter dans la poubelle pour qu'il y passe un petit moment. Oui, l'argent n'est pas un problème, ok? L'argent n'a jamais été un problème dans cette famille. Et si la maison est trop chaude pour toi et mon petit-fils? Je me sens seule, si tu as remarqué. Allez.
Ne t'inquiète. Je déteste vraiment me bagarrer avec mon mari. Je n'aime pas ça. Ça m'a fait bien énormément. Je n'aime pas ça. Je sais, ne t'inquiète pas. Je viendrai à la maison moi-même. Je vais parler à Brian, ok? Merci, maman. Mais en attendant, allons à la cuisine nous préparer quelque chose à manger. Parce que vous n'allez pas rentrer, ok? Arrange-moi ce joli visage. Allez, fais-moi un sourire. Ok. C'est bon, tout ira bien. Allons-y, ok? Ça va aller. Allez. Brian, alors comme ça tu es retourné prendre tes bottes de Playboy où tu les avais gardées? Vraiment? Tu laisses ta magnifique épouse dans le froid toutes les nuits pour aller Dieu seul sait où? Je travaillais, maman. Tu travaillais? Oui, je travaillais. T'ai-je entendu dire que tu travaillais? Regarde-moi en face. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu travaillais. C'est comme ça que tu me rembourses pour avoir donné ma vie, pour que tu sois où tu es aujourd'hui? Non. Je ne peux pas avoir donné naissance à un irresponsable infidèle. Voyons, j'ai joué à ce jeu il y a de cela des années avant de dire oui à ton père. Je suis une reine de ce jeu. Fiston, Dieu t'a donné un cadeau précieux. Pourquoi veux-tu le jeter à cause de ta stupidité? Pourquoi? Nous sommes tous des hommes, mais il y en a peu qui laissent tout pour la famille. Mon enfant, prends en main ta responsabilité d'homme. Je suis un homme. Vraiment? Oui, je suis un homme responsable. Regarde, regarde autour de toi. Et dis-moi que tu es un homme. Je le pensais aussi. Hey! Alors comme ça, tu as eu le culot d'aller voir ma mère pour me dénoncer, n'est-ce pas? Hein? Ma mère ne m'a jamais parlé comme elle a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as gagné? Dis-moi ce que tu as gagné. Rien du tout. Je suis un homme et j'ai le droit de coucher avec autant de filles que j'en ai envie. Et tu ne vas rien faire par rapport à ça. Répète ce que tu viens de dire, Brian. J'ai dit que je suis un homme et j'ai le droit de coucher avec autant de filles que j'en ai envie. Et tu ne vas rien faire par rapport à ça. Et si ça te dérange, alors pars de chez moi. C'est toi qui vas partir. Et ça, je te le promets. Oh. Alors tu prends la tête, hein? Tu es devenue orgueilleuse dans ma maison. Mais ne t'en fais pas, je ferai de cette maison un enfer pour toi. Tu seras misérable dans cette maison. Fais tes affaires et pars d'ici. Tu es orgueilleuse pour hurler, pour te lever et me crier dessus, hein? Ça se convaincra. Toi, je vais te rendre la vie difficile dans cette maison. Allez, va-t'en, va-t'en, vas-y, vas-y. Oh. Désolé, elle essayait de prendre quelque chose sous la table. J'ai fait tomber un truc.
Hé, hey, bébé. Comment était ta journée? Viens, viens. Viens. Papa doit être épuisé, ok? D'accord, viens. Va faire tes devoirs. Bébé? Écoute. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, je veux que tu comprennes que je ne suis pas d'humeur pour ton discours. Ou tes interrogations. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon boulot. Seigneur, que s'est-il passé? Mais qu'est-ce que tu dis? Ne t'ai-je pas dit que je ne suis pas d'humeur pour ton discours ou à tes interrogations? Ok, chérie, c'est bon. Je vais juste aller faire à manger et tu... Juste ça. C'est tout. Je ne comprends pas. Quel genre de personne tu es? Bébé, que veux-tu que je fasse? Je serai en bas. Tout ira bien. Tout ira bien. Elle est sérieuse, là? Ouais. Hey, viens là. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu embêtes tout le monde avec tes jeux stupides? Hein? Désolé, papa. Je ne vais plus le faire et je te promets que je ne te rendrai plus triste. Aïe, tu es désolé, tu es désolé. Va à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'arrive? Hey, assure-toi bien de lire tes bouquins, ok? Compris? Je ne peux pas payer une grosse somme d'argent pour un idiot comme toi. Va à l'intérieur. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans cette pagaille. Depuis que ta mère est entrée dans ma vie, tout est devenu difficile. Tout va très mal. Quasiment tout. Bébé? Bébé? Ok, alors, j'ai fait le petit déjeuner et j'ai aussi fait le déjeuner. Et aussi du jus également. Alors, s'il te plaît, aide-moi à déposer du jus à l'école. Avec tous ces bouchons, je serai en retard. Qu'est-ce que cela veut dire? Que je t'aide à déposer du jus à l'école? Qu'est-ce que cela veut dire en tant que ton quoi? Ton bogne? Ton domestique? Ou alors ton homme à tout faire? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle? Chérie! Chérie quoi? Alors, comme ça, c'était ton souhait, n'est-ce pas? Que je perde mon boulot, je reste à la maison afin de faire du babysitting à ton fils. Je suis devenu ton domestique et la nounou de ton fils, c'est ça? Hein? C'est ce que tu voulais. Depuis que tu es entré dans ma vie, tout ce que tu m'as apporté, c'est de la malchance. La malchance. Bébé, tu sais que c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Dieu sait que nous ne sommes pas responsables. N'ose pas prononcer le nom de Dieu. Et ne pleure pas. N'essaye même pas de pleurer. Ne verse pas tes larmes de crocodile. N'essaye pas de pleurer. Tu as porté la poisse dans ma vie, femme poisseuse. Et maintenant, pourquoi tu veux parler de Dieu? On prie pour toi. Prie pour toi. Tu veux prier pour moi? Prie pour toi. Ah, j'en ai marre de tout ça. Marre de mon état et de rester à la maison. Standard, aucun progrès. Hein? À présent, nous sommes arrivés au point où tu me demandes d'aller faire du babysitting à ton fils. Que j'aille le chercher à l'école. Et après, tu vas me demander de faire quelque chose à manger.
pourquoi cette fille ne répond pas à mes appels? J'essaye de l'appeler depuis un moment, mais elle ne décroche pas mes appels. Elle ne m'envoie même pas de message. Je lance un peu Megan. Megan aussi ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Je les ai toutes appelées, mais personne ne décroche. J'ai appelé Candice, j'ai appelé Megan. J'ai aussi appelé Rena. J'ai appelé Stella. Mais personne ne décroche, personne. Elles ne prennent pas mes appels. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas d'argent? Ou alors parce que je n'ai plus de boulot? Même Megan, avant quand je l'appelais, le téléphone sonnait une seule fois et elle décrochait. Et si elle manquait mes appels, c'était comme une erreur pour elle. Elle me rappelait jusqu'à ce que je décroche. À présent, même si je l'appelle toute la journée, elle ne va pas répondre. Ah, la vie. Alors c'est comme ça. Je m'ennuie tellement que j'ai envie de sortir me détendre avec l'une d'entre elles. Elle devrait me comprendre. N'est-ce pas, quand j'avais de l'argent, je dépensais sur elle? Maman? Oui, chérie. Je ne suis pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, pourquoi papa est-il toujours en colère et il hurle? Est-ce qu'il ne nous aime plus du tout? Oh, mon chéri, ton papa t'aime tellement beaucoup, d'accord? Il t'aime énormément. Il traverse une situation difficile, ok? Il a perdu son boulot. Mon père me manque. Je suis sûre que tu manques également à ton père. Tu lui manques énormément. J'aurais aimé qu'il nous aime un tout petit peu. Je vais prier pour qu'il ait un plus grand job et qu'il nous aime à nouveau. Oh, chérie, je suis sûre que ton père ira bien, ok? Tout ira bien, ok? D'accord, viens ici. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Tu manges? Combien de fois est-ce que tu manges dans cette maison? Ou tu penses que c'est facile d'acheter à manger dans cette économie? Désolé, papa, je ne vais plus. Allez, tais-toi, tu ne vas plus le faire. Combien de fois est-ce que tu manges dans cette maison? Ou c'est parce que je t'ai donné la liberté, tu t'assois dans mon salon pour manger? C'est ici qu'on mange? Est-ce qu'on mange au salon? Hein? Allez, lève-toi! Allez, va prendre ce truc. Il mange dans mon salon. Avais-tu déjà vu un tel salon dans ta vie? Monte à l'étage. Et quand tu auras fini, tu redescends me laver toutes les assiettes et la vaisselle dans la cuisine. Est-ce que c'est clair? Allez, monte là-bas. Il mange dans mon salon. Je t'ai donné trop de liberté. Il est là, il mange n'importe où et n'importe comment. Hein? Il ne fait que ça, il mange. Tu es le seul qui doit manger dans cette maison? Ou c'était une mauvaise idée de t'amener ta mère et toi dans cette maison? Je ne comprends rien. Non! Papa va me tuer. Je n'arrive pas à croire que tu le fais aussi. Tu sais quoi, mec? À un moment donné, tout ton mari doit se comporter comme un bébé, juste pour attirer l'attention de sa femme. Crois-moi. Ça, c'est là que tu sais que chouchouter. Bien.
C'est cool. C'est quoi le problème, mec? Comment ça? Tu as vraiment changé. Scotty. Qui ne changerait pas après avoir perdu son boulot? Et quand la vie lui paraît vraiment difficile, dis-moi qui ne changerait pas? Ce n'est pas le fait que tu aies perdu ton boulot. C'est à propos de ta famille que tu es sur le point de perdre. De quoi tu parles? Écoute, tu transfères ta colère sur ceux que tu aimes. En les punissant pour un crime dont ils n'en savent rien, et c'est vraiment mauvais. Et si tu n'es pas prudent, tu pourras les perdre. Et ce qui t'arrive maintenant, frère, le résultat de tes erreurs dont nous t'avons longtemps prévenu. Pour ce qui est d'Amelia, elle porte déjà assez de fardeau pour commencer à gérer la merde dans laquelle tu t'es mis. Quant à Duc, il a besoin de son père autour de lui. Mais toi, tu es dur envers lui. Et tu dois vraiment faire attention des trucs que tu fais autour de lui, car il t'observe. Bien. Tu ne dois pas perdre ta famille à cause de tes fautes. Je ne le permettrai pas. Alors ramasse ton foutoir et arrange les choses. Ils doivent être un grand tournant pour toi. Ok? Je ne sais quoi faire en fait. Ma vie est devenue... Tout est devenu un bazar. Je ne sais quoi faire. C'est bon. On va résoudre ça, ok? Bébé. Bébé. S'il te plaît, nous sommes désolés, ok? Nous sommes vraiment désolés pour tout ce qu'on a pu te faire de mal. C'est juste... S'il te plaît. S'il te plaît, reviens-nous. Nous sommes désolés. Écoute, tu nous manques, ok? Tu nous manques. Tu me manques. L'homme dont je suis tombée amoureuse me manque beaucoup. Avec mon esprit, ton affection me manque, ton amour me manque, tout me manque. Écoute, si j'ai fait quelque chose de mal, je suis coupable. Oui, je l'ai fait. Ray, Ray, Ray. Je suis désolé, ok? Et tu n'as rien fait de mal. J'ai été méchant envers toi, j'ai été dur avec toi. J'ai été méchant envers mon fils. Je t'ai fait du mal. Écoute, je t'ai blâmé pour des choses dont tu ne savais absolument rien. J'ai été égoïste, j'ai été stupide. J'ai été bête. Tu comprends? J'ai fait du tort à ma famille et j'en suis désolé. Je suis désolé, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je suis vraiment bon. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé.
Désolé, papa. Ça va aller. Allô, maman? C'est moi. Papa est très malade. J'ai utilisé un gant pour nettoyer son visage. Je veux que tu rentres très vite. S'il te plaît. Ok. Et foire. Oui, monsieur. Où est passée ma famille? Ah, ok. Oh, votre famille, monsieur. Monsieur, le petit Duke et madame ont voyagé hier, monsieur. Quoi? Oui, monsieur. Quand? C'était hier, monsieur. Hier, quand... grand-mère, votre mère est venue ici hier les chercher. Ils sont tous partis, monsieur. Non. Non. Ce n'est pas possible. Ma femme était avec moi. Hier, à l'hôpital, et elle m'a dit qu'elle rentrait à la maison et qu'elle allait revenir. Revenir à l'hôpital, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Monsieur, je ne sais rien de la femme qui est venue. Je ne sais pas, monsieur. Oh, avant que je n'oublie, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Madame m'a demandé de vous remettre ceci, monsieur. C'est une lettre, je crois. Merci, monsieur. Je vais y aller. Maintenant, monsieur. Non, non, non.
Ça ne peut pas être possible. Non, non. Elle est ma vie. Elle est ma vie. Elle est mon monde. Elle est ma vie. Ils sont mon monde. Je ne peux pas. Non, 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 non. Ça ne peut pas m'arriver. Non, non. Viens, assieds-toi, assieds-toi. Ça ne peut pas m'arriver. Assieds-toi. Non. Calme-toi. Ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Calme-toi, mon ami. Non, non. Je vais parler non. avec elle. Relaxe-toi. J'ai été calme-toi, tellement mec, stupide. Tellement stupide. Calme-toi, non. Ok. Ça va aller, calme-toi. Sois fort. Maman. Tu m'as fait maman. Peur. S'il te plaît, maman. J'ai besoin de ma famille. Maman, j'ai besoin de ma famille, s'il te plaît. Brian, c'est trop tard. Non, maman. Brian, c'est tard. Connais-tu la peine que tu as causée à cette fille innocente et à mon petit-fils? Brian, pour l'amour de Dieu, tu les as abandonnés. Et tu es désolé? Perdre ta famille est le prix à payer pour ce que tu as fait et pour ton irresponsabilité. Je refuse d'aller supplier. S'il te plaît, maman. Je ne vais plus jamais, jamais faire une telle chose, maman. Je sais que j'ai été stupide. Mais si je perds ma famille maintenant, je vais aussi perdre ma vie. S'il te plaît, maman, tu ne veux pas ça pour moi. Non, tu ne mourras pas. Brian, tu ne vas pas mourir. Tu dois tout recommencer à zéro. Je ne peux pas, maman. Et je suis désolée, ce voyage... Je ne le ferai pas avec toi cette fois-ci. Mais maman... La responsabilité est la tienne. Et à toi seule. Je ne peux pas. Tu peux le faire. Je ne peux pas affronter ça, maman. Tu maman, peux le s'il faire, te plaît. Mon chéri. Je ne peux pas, maman. J'ai une famille. Je veux juste ma famille. Aide-moi, s'il te plaît. Brian, écoute. Tu es un homme. Tu dois te lever et te battre. Tu dois te relever. Tout recommencer à zéro. S'il te plaît, je t'en supplie, maman. Aide-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, maman. C'est bon. Je verrai ce que je pourrais faire. Mais pour le moment, reconstruis-toi. Non, maman. S'il te plaît. Non, maman. Veuillez vous asseoir, monsieur Brian. Merci, monsieur. Maman. Bonjour, fiston. Je m'attendais à vous voir avec votre avocat. Non, je ne pense pas avoir besoin d'un avocat. Je peux parler pour moi-même. Ok, dans ce cas, on peut commencer. Ok. Vous devez comprendre que nous ne sommes pas en justice. Nous allons faire tout notre possible pour résoudre cette affaire à l'amiable. Et si on échoue... Alors, on ira à la cour. Madame Amelia suggère que ses enfants et elle gardent la maison et l'une de vos voitures, mais également qu'une pension mensuelle lui soit donnée avec ses enfants.
pour s'occuper d'elle et de ses enfants. Monsieur, je suis un peu confus. Je veux dire, vous avez dit ses enfants, vos enfants. À ce que je sache, je n'ai qu'un seul fils. C'est tout, je n'ai pas d'autres enfants. Donc, y a-t-il quelque chose que je dois savoir, s'il vous plaît? C'est assez dommage, Brian. Que ta femme Amelia soit tombée enceinte avant que tu ne commences avec ton sale comportement. Bébé, est-ce que c'est vrai? Il y a des résultats d'examen qui soutiennent ces propos. Non, Monsieur, je ne veux rien. Je ne veux... Vous pouvez tout prendre. Tout ce que je veux, c'est ma famille, ok? Je ne veux... Ils peuvent prendre la maison et prendre la voiture. Ils peuvent aussi m'avoir, mais si elle... Bébé, s'il te plaît, regarde-moi. Bébé, je suis désolé. Je t'ai fait du mal. Je t'ai maltraité. Je t'ai fait tellement de tort. Je suis vraiment désolé. Je veux juste que tu rentres. Je veux reprendre ma famille. Je ne peux pas vivre sans toi, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été stupide. S'il te plaît, maman. Aide-moi. Parle-lui pour moi. Je suis vraiment désolé. Brian, tu m'as fait du mal. Je sais. Tu m'as regardé droit dans les yeux. Et tu m'as dit que tu avais le droit de me tromper, que je n'étais rien. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je suis vraiment désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Maman, s'il te plaît, aide-moi à parler à ma femme. Je veux juste récupérer ma famille. Je ne veux rien d'autre, c'est toi que je veux. S'il te plaît. J'espère que tu as retenu la leçon maintenant. J'ai retenu la leçon, maman. Et je ne le ferai plus jamais. Bien. Maman, j'ignore ce que j'aurais fait si j'avais perdu ma famille. Je le craignais aussi. Je craignais qu'il me soit difficile de convaincre ta femme avec cette affaire de divorce. Elle m'a donné du fil à retordre. Ma fille, tu dois me soutenir. J'ai tout planifié, donc tu ne dois pas t'inquiéter. Je dois prendre soin des vies de mes enfants. Alors, s'il te plaît, soutiens-moi, ok? Merci, madame. Je t'en prie. Écoute, vois, ça, c'est ce qu'une bonne mère, une bonne belle-mère et une grand-mère feraient pour sauver des vies. Merci, maman. Je suis tellement content de t'avoir comme une mère. De rien, fiston. Bébé. Bébé. Oui. Tu viens de recevoir un message. De qui? Il est de ton bureau. Mon bureau? Oui. Je peux? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je lis. Quoi? Ils disent qu'ils ont levé ta suspension et qu'ils veulent te voir au bureau demain à 10h.
et que tu devrais venir avec moi. Ils ont levé ma suspension. Mais pourquoi ? Et que je vienne avec toi. Pourquoi ? Ils ont levé ma suspension et ils veulent que nous allions ensemble. Mais... Oh mon Dieu, je suis tellement heureux qu'ils ont levé ma suspension. Pour toi, mais pourquoi devrais-je venir avec toi ? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, merci, merci. Ma suspension a été levée. Oh Seigneur, merci. Je m'en fiche de savoir pourquoi nous devons aller ensemble. Je suis juste content. Je suis content. Oh, merci, mon Dieu. Il n'y a pas de quoi. Chérie? Oui, bébé. Bébé, pourquoi tu es habillée? Ta réunion à 10h, je pensais que tu allais être... Oui, je m'apprête à déposer mon fils à l'école et conduire ma femme au boulot. J'ai décidé d'être ton chauffeur jusqu'à ce que tu accouches notre magnifique bébé. Quoi? Attendez, qu'avez-vous fait de mon mari? Il est juste là. Où est-ce qu'il est? Reviens. Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Tu es mon cadeau venu de Dieu. Tu mérites vraiment beaucoup. Je pense sans cesse à des moyens de te rendre heureuse. Où vais-je commencer? Je pourrais cuisiner pour toi, ça te va? Tu es une horrible cuisinière. N'y pense même pas. Je peux apprendre. Je peux te faire le petit-déj. Allez. Rien d'autre. Je peux faire le petit-déj. Je vais te faire le petit-déj. Je peux pas me faire manger pour sauver ta vie. Je peux le faire. Maman? Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame. Bonjour, ma chère. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'imaginais pas. Pas là. Grâce à mademoiselle Moudoukbe ici présente, j'ai été mise au courant de la vente de cette compagnie. Alors, il m'a semblé juste de l'acheter comme ton cadeau de mariage, puisque je ne t'en ai pas encore donné un. Non, maman, ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. J'ai fait la connaissance de ta mère. Avant même qu'on ne t'emploie à Dop Media. Elle a pratiquement payé la moitié de ton salaire. Non, maman, ce n'est pas vrai. C'est exact, mon fils. Tout ce que ton père et moi voulions, c'est que tu deviennes responsable. Et aujourd'hui... Je suis heureuse que tu sois un homme responsable. À partir d'aujourd'hui, Dob Media t'appartient officiellement. Quoi? Oui, tu es le nouveau PDG de Dob Media. Maman. Maman. Et aussi, tu dois savoir que, de son plein gré, mademoiselle Modoubé ici présente a décidé de démissionner. Oui, j'ai postulé pour un visa d'études au Canada. Et heureusement, je l'ai eu. C'est super. Mes félicitations. Merci. Félicitations, ma chère. Merci, madame. Félicitations pour ta nouvelle vie. Merci. À présent, tiens ça. Va mener ta vie. Oh, maman, maman. Vas-y, tiens, allez. Ne fais pas ça. Merci. Merci. C'est bon. Merci. Je ferai tout pour toi, mon fils. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.